Aujourd'hui, nous donnons une fête hawaïenne. Ça va être super. De la musique, des amis, un bon assortiment de fruits et des spookers. Évidemment, le docteur Spooky ne pouvait pas rater ça. Berk, ce hamburger est plein de gras et dégoûtant. Comme d'habitude, il a une nouvelle idée malfaisante. Quoi? Un spooker danseur? C'est ça ton plan, Dr. Spooky? Une minute. D'où vient ce plateau gigantesque plein de hamburgers? Et que pensez-vous en faire? Le spooker lance tous les fruits. Et il met les hamburgers à leur place. Le docteur Spooky a gâché la fête. Et en plus, on commence à avoir faim. Non, Monkey, résiste. N'en avale pas une miette. Ouf, il s'en est fallu de peu. Il y a forcément autre chose que ces horribles hamburgers à manger. Tiens, des noix de coco. Monkey adore les noix de coco. Et il est très doué pour les cueillir des palmiers. Des noix de coco pour tout le monde. Les spookers aussi sont invités. Tu es encore perdu. Ils s'amusent tous à cette fête, Dr. Spooky. Ton spooker n'arrête pas de danser. Eh ben, dis donc. Aujourd'hui, on va à la plage. N'oubliez pas la crème solaire, les enfants. Quoi? Oh! Mais que fait le docteur Spooky ici? Il a lâché ses insectes robots. Et il jette des puces électroniques sur la tête des gens sur la plage. Qu'est-ce que tu mijotes cette fois? Il a une baguette de chef d'orchestre. Oh, il peut contrôler ceux qui portent une puce avec ça. Qu'est-ce qu'il est méchant? Il oblige les gens à salir la plage. Non, les enfants, ne jetez pas de déchets. Mais enfin, que tu es méchant, Dr. Spooky. Non, 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 on doit faire quelque chose. Quel désastre! Le Dr. Spooky est en train de détruire l'environnement. Que quelqu'un en empêche! Super! L'équipe Super Zoo arrive! Ah ah! Si tu arrives à enlever les puces à ces gens, ils n'obéiront plus aux ordres polluants du Dr. Spooky, aux capsules de transformation. Monkey!
Cathy. Maintenant, on va protéger l'environnement. On va te donner une bonne leçon de toi, Spooky. Monkey et Kangoo ont construit un trampoline pour atteindre le Dr. Spooky. Quelle bonne idée! Attrape-le, Kangoo. Il faut lui prendre cette baguette. Quoi? Pourquoi tu veux faire le portrait du Dr. Spooky, Kangoo? Quel frimeur! Ah, je comprends mieux. Tu essayes de le distraire. Monkey a remplacé sa baguette par une banane. À plus tard, Dr. Spooky. Allez, l'équipe Super Zoo, il faut retirer les bouches électroniques à ces gens avant que le Dr. Spooky ne les rattrape. Maintenant, c'est Cathy qui est aux commandes. Et elle va faire en sorte que les mignons l'aident aussi à nettoyer la plage. Mais où peut-on jeter les déchets? Kangoo a la solution. Le verre dans la poubelle verte, le papier dans la bleue et le plastique dans la jaune. C'est l'heure de recycler. Allez les enfants, il faut nettoyer la plage. Et le Dr. Spooky ne peut rien faire pour vous en empêcher. La prochaine fois, tu y réfléchiras deux fois. Ils mettent tous la main à la pâte et la plage est toute propre. N'oubliez pas de le faire, vous aussi, quand vous irez passer une journée à la mer, les enfants. La planète vous en sera éternellement reconnaissante. Mais il reste un dernier détail. Bon vent, Dr. Spooky! Ça fait du bien de prendre soin de notre planète. Et oui, Dr. Spooky, le passé nous semble toujours plus beau. Oh oh, on dirait bien qu'il a une idée. Quelle est mignonne cette vieille petite araignée! Nous non plus, on n'aime pas trop le Dr. Spooky. Lâche-la! Voilà. Quoi? Mais ne la laisse pas dans cette capsule! Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce que... L'araignée a rajeuni? D'accord, je crois que je vois où tu veux en venir, Dr. Spooky. La jeunesse, c'est se rebeller. Voyons voir si l'invention de Dr. Spooky fonctionne. Je crois que vous avez un peu trop tourné le bouton, les gars. Essayez encore. Ouah! Non, je ne crois pas que... Bon, eh bien, si ça fait plaisir au Dr. Spooky, voyons le résultat. C'est une sacrée nuage de fumée, ça. Et, oh, il y a quelqu'un? J'arrive pas à le croire.
Il va falloir lui changer sa couche, le pauvre. Trop chouette. Banzai. Tu ne tires pas sur tes pattes, kangou. Yeehaw. Mais qu'est-ce que... Qu'est-ce qui s'est passé? La mer s'assèche. Ah ah, regardez là-bas, c'est le robot du Dr Spooky. Allons prévenir les sirènes. Les sirènes, vous n'allez pas croire ce qu'on... Ah, vous êtes au courant à ce que je vois? Pourquoi es-tu si méchant, Dr Spooky? Il faut faire quelque chose, équipe Superzo. Voilà le robot. Si on desserre ce boulon, son sac à dos s'ouvrira et l'eau coulera dans l'océan de nouveau. Génial! Aux capsules de transformation! Kangou. On va rendre son eau à la mer, Spooky. Tiens-toi prêt. Quelle bonne idée, Monkey. C'est vraiment très haut, dites donc. Mais il est déterminé, il se prépare, il prend de l'élan. Beaucoup d'élan. Et il s'envole. Bien visé. Régale-nous avec un de tes dessins, Kangou. Quelle super idée! Un outil pour desserrer le boulon. Allez, Kangou! C'est ça! Très bien! Oh non! À quoi il sert ce bouton? Attention, Monkey! Non! Mets les bouchées doubles, Kangou! Ça y est! Tu as réussi, Kangou! Au revoir, Dr Spooky. Mais où est Monkey? Tiens, le voilà. On dirait qu'il s'est fait un nouveau copain. Et voilà Kangou. Vous revoilà, nos amis les sirènes. On est ravis que vous soyez saines et sauves. La mer est de nouveau superbe, vous pouvez reprendre votre partie de cartes. Mais ne trichez pas, hein? Il faut toujours être bon joueur. Toujours être bon joueur, prends-en de la graine, Dr Spooky. Le Dr Spooky. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça? Je n'avais jamais rien vu de si gras et dégoûtant. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? À quoi sert cette télécommande? Plus il tourne le bouton, plus la pollution sort de ses pots d'échappement.
Regardez toute la pollution que le Dr Spooky et ses sbires répandent. Et maintenant, ils vont couvrir la ville entière de leurs horribles nuages toxiques. C'est horrible. La Terre entière est recouverte d'une énorme couche de pollution. Nuages empêchent les rayons de soleil de passer. Ils sont coincés. C'est pour ça que la température augmente. Il fait si chaud que même les œufs brisent en une seconde. Et on peut oublier les glaces à l'eau. Le réchauffement climatique est arrivé. Je vous en prie, les super zoos. Aidez-nous. Il faut faire quelque chose. Les arbres peuvent absorber la fumée des pots d'échappement et de la transformer en air pur. Alors, encore une fois, la solution est dans la nature. Allez les amis, il faut protéger l'environnement. Il est temps de faire une potion magique. À toi de jouer, grand-mère Granny. Aide-nous à résoudre ce problème. Un peu de stimulant ultrasonique de Granny, un filet de jus d'orange douce, bien évidemment. On ajoute un chouïa de cette mixture. Très bien. Zut! On dirait que ça ne fonctionne pas. C'est trop long. Et si on en versait un peu plus? Pas de doute, ça fonctionne. Et voilà vos super graines. C'est l'heure de sauver la planète Terre. Aux capsules de transformation. Regardez à quelle vitesse poussent les arbres que Cathy et Monkey plantent. C'est incroyable. Regardez, l'air se purifie. La nature est merveilleuse. Même si le Dr Spooky s'entête à polluer. Avec l'aide de l'équipe Super Zoo, l'environnement est toujours vainqueur. Quand on plante des arbres, on nettoie l'air et on embellit la planète. Comme c'est beau! Plus une trace de ton affreuse pollution sur Terre, Dr Spooky! Mais on a encore une leçon à te donner. Arrêtez, s'il vous plaît! Bande de voyous! Respectez les panneaux de signalisation! Et là, doucement. Quelle bonne idée, Kangoo. Des moteurs électriques non polluants. Adieu pollution, bonjour planète durable et propre. T'es rentré dans l'ordre. Adieu les tristes mines. Bon, Dr Spooky, ta vue ne te joue pas des tours. La Terre est bien plus belle sans ces horribles nuages de pollution. On a encore une fois sauvé la planète Terre.
chouette. Aujourd'hui, l'équipe Super Zoo a organisé une course à vélo. Waouh, c'est un parcours trépidant. Quoi? Que fait le docteur Spooky par ici? Il a peut-être des projets lui aussi. Mais qu'il est lourd! Il veut faire la course avec son vaisseau. Quel tricheur et quel frimeur! Heureusement que Cathy a toujours de bonnes idées. Voyons si Kit peut nous aider à battre le Dr. Spooky. Pas bête. On peut utiliser les énergies renouvelables pour que les vélos aillent plus vite. Tu vas voir, Dr. Spooky. Le vent et le soleil sont de notre côté. L'équipe Super Zoo va avoir de super vélos. Qu'ils sont chouettes. Et pour Cathy, une super pomme pour prendre des forces. Ça suffira pour gagner la course. Aux capsules de transformation. Cathy. L'équipe Super Zoo est arrivée, Dr. Spooky. Tu vas regretter de les avoir défiés. À vos marques. Prêt? Le Dr. Spooky est parti avant tout le monde. Je vous avais bien dit que c'était un tricheur. Attention, Monkey. Quelle puissance! Aïe! Il faut que le soleil se lève pour que ses rayons pleins d'énergie rechargent le vélo de Kangoo. Soleil, mon joli soleil, lève-toi, c'est l'heure. Youpi! Les rayons de soleil dans toute leur splendeur. À fond les manettes! Allez, Cathy, c'est le moment de tout donner et de pédaler à fond. Ce nuage de fumée va empêcher l'équipe Super Zoo de bien voir la route. Tiens bon, Monkey. Les amis sont toujours là pour donner un coup de main. Cathy va vraiment très vite. On dirait qu'elle va dépasser le Dr. Spooky. Quoi? Un trampoline? Oh, je ne m'y attendais pas du tout. Allez les amis, on continue. C'est ça les spookers. Oust. Oh, quoi? Mais oui, si les rayons du soleil n'atteignent pas le vélo de Kangoo, il n'ira pas très vite. Le Dr. Spooky va gagner la course grâce à ses tricheries. Qu'est-ce que Kangoo dessine? Quelle idée de génie! Avec ses miroirs, il va dévier les rayons du soleil pour qu'ils illuminent les panneaux solaires. Surprise, Dr. Spooky! Impossible de le rattraper.
à moins qu'il n'ait plus d'essence. C'est ça. À plus, Minus. Et c'est l'équipe Super Zoo qui gagne la course. Bravo! C'est une récompense bien méritée. Non mais je rêve, ils sont vraiment ridicules. À la prochaine, ou pas ?